Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Monde 12 Bellico, cité forum francophone de jeux d'histoire, de stratégie et de tactique. C'est le rond petit patapon. Et aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de la campagne Monde 12 Bellico versus n'importe quoi. C'est un nouvel épisode de. C'est parce que je l'ai tourné juste avant. C'est un nouvel épisode de Monde 12 Bellico Flying Circus sur le jeu Battle Brothers, une petite perle. Alors, vous vous rappelez, on avait explosé la tronche à des méchants le tour précédent. Et ben, maintenant, on va aller toucher la thune, mais avant, on va peut-être voir, puisque Lunark est mort, on va peut-être récupérer 55 contre 50. Ah, toi, tu vas t'équiper de ça. Voilà. Allez, on va toucher la thune. Hein. Alors, ah oui, 55 heures, pas cool. Et là, pas cool non plus, donc je vais être obligé d'acheter des outils pour réparer mes armes, hein. Pas cool. Alors, after the battle is over, you find Silef Blondin on his knees, his body swelling back and forth as he nurses a wound. You heard muffled cries in between all two lewd ones. Approaching, you ask the man if he's alright. If he's alright, he shakes his head and explains that this was his first test of real vicious combat. It was not what he expected and is unsure if he can continue. Allez, there is not a soul out here who isn't scared. Ah merde, he gets concerned. Bon. Yeah, d'accord. Ah, la thune a été pour nous, la thune. Alors, du coup, on vient ici et il me faut acheter des. Ah mais elles sont moins chères, hein. C'est déjà ça. Je vais vendre ça, ça, ça. Paf, est-ce qu'il y a quelqu'un d'intéressant à recruter? Non. Ok. Est-ce que je vais là? Allez, je vais à Stolloven. On achètera de la bouffe s'il n'y a pas assez. C'est une belle ville. Il doit bien y avoir un contrat pour moi, ça. À cet endroit-là. On arrive, les amis. C'est l'aube. Ah, il y a un contrat. D'accord, il y a des gens, des soldats aussi. Ils sont tous un peu chers, les salauds là-haut. Oh. Putain, le pêcheur de 125. Ouais. Et ici, les mailles de son filet, elles ont intérêt à être en or. Hein. Ouais, pas grand-chose d'intéressant. Bon, qu'est-ce qu'il nous propose comme contrat, le gars? Qu'est-ce que tu nous proposes, le gars? You walk around Stolloven before stopping a man and asking him if there anything interesting around. He balanced a smelly and dripping pitch fork on his shoulder as he thinks. Well, there is the always the man grins mostly to himself on that own. That's all right. There also Volmar the steward. Wait. Are you that Selsworth feller? The stranger's kink at you then quickly continues. A shit, of course. Yeah, Volmar the steward talking about you, he said. Geralt, go and clear out the shit in the all stars. And if you see that misery people are taking off, fetch him for me. He stopped and pointed down the road toward the building. So yeah, if you want some money, then that fella in there wants to pay. Yeah, I don't think he needs another man slinging shit. If you was worried about that, I got that shit under lock. Okay, j'y vais. Dim candle barely lights the room enough for you to see. It's Volmar the steward sitting behind his deck with his shadow dance on the walls by the tune of flickering lights. Will you lend your sword to me if I pay you good coins?
I need something there to me deliver safety to roll out the concealer in Coachland. Ah, pourquoi pas, north of here. Men have killed each other of this, so you must be ready to defend it with your wife. It takes a pause, measuring your response. I will write a sealed letter with instruction to pay you as you deliver the item to the contact in Coachland. What say you? How many crowns? 310, je veux plus. Je veux plus. Allez, j'accepte. 350, j'accepte le contrat. Ouais, trop cher tout ça. On se casse. Donc, on doit aller à Cochin Machin. C'est où ça? Cochin Fest? Cochin Land? C'est l'autre bout. Ah ouais, c'est là-haut. Je crois que je me suis fait baiser. Bon, on y va alors, hein, tant pis, on y va, on y va, on y va. Bah, on y va, ouais, on y va, on est parti. Combien il me reste de bouffe? 4 jours, en 4 jours, je devrais y arriver. Allez, Saxdorf, c'est parti d'abord. Hop, hop. Excusez-moi, j'ai cliqué au mauvais endroit. Surtout, faisons gaffe de ne pas tomber sur une bande de raiders. Ou encore pire, d'orc. Ou des gobelins. J'ai horreur des gobelins. Les gobelins, ils me cassent les couilles à chaque fois que je les affronte. Alors allons voir s'il y a quelqu'un d'intéressant à embaucher là. C'est une toute petite bourgade. Alors. Non, personne. On se casse. Direction Allen. On en est où au niveau des blessures? 26 heures encore, putain. Quand on campe pas, on met plus, vraiment beaucoup plus de temps. Hein. On arrive la nuit, c'est pas cool. On va camper. C'est très joli, ce petit village au milieu des marais. Oh oh, pourquoi je rentre pas dedans? Ah voilà. Ah oui, mais j'ai déjà mon contrat. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intéressant à choper? Un archer. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ah ouais, mais il coûte 335, mais alors... Mais ouais. Désolé, on n'a pas les sous, on se casse. Ah bon, on fait un petit tour là. Putain, c'est cher, trop cher. Allez, on se casse. Hasta la vista. Et on file vers. Eh ben, Cochinland. 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 Allons, allons. Dans le Ridland. Allez, Cochinland, on arrive. Alors, Rollo the Concealer welcomes you. And, ah ouais, donne-moi les thunes. Merci. Alors, encore un contrat. Ouh, Cochinland, c'est bien. Il y a du monde à Cochinland. Alors, voyons, voyons. Wendell. Hein? Nils. Ah, pas cher, Nils. Bertrand le réfugié. Hein? Nils, je te prends. Et Nils, donc, tu vas être maintenant
Godwinson. Godwinson. Alors, dans ma liste de surnoms ridicules, qu'est-ce qui irait bien? Qui sonnerait bien? Le Godish. Godwinson, the Godish. Alors, si vous avez des noms plus ridicules, hein, donnez-les moi. Je les mettrai avec plaisir. Alors, j'en ai encore quelques-uns. Hein, je vous rassure. Pour le moment, on va t'équiper comme ça parce que j'ai pas grand-chose d'autre pour toi, camarade. Voyons ici. Putain, ça coûte cher! Pourtant, j'aimerais bien t'équiper avec quand même. 82, ok. On va voir le contrat. As you take stocks of your inventory, a rather well do man spot you and head your way. Yannon says himself as being in the employ of Randall the Elder, an influential person in Cautionland that wishes to talk business. You hand your duty over to Aaron the top and let the man lead the way. Randall the Elder men are standing around in a bit of cargo. The employer shoots them away when sees you. Welcome. Good seeing you. I am need to Ahmed Guard to have his air package delivered to a man by the name of Agent the Concealer in Stoloven. Putain. Oh, interested you be doing that for me? Parlez-moi d'argent. 280. Je veux plus en avance. Et je veux plus en complétant. Oh, bah, j'accepte. I accept this contract. Et il faut que j'achète de la bouffe, j'ai pas le choix. C'est les contrats de merde! Alors, 4 jours, on y va. Ouais, il y a des trucs intéressants. Mais il faut que je revienne plein sud. Et ben, c'est parti. Et là, on va y aller d'un seul coup, d'un seul. Puisqu'on sait qu'il n'y a pas grand chose dans les villes et les villages. Ah, les voyages forment la jeunesse. Ça va peut-être vite trouver Godwinson. D'ailleurs, tiens, j'ai pas regardé quels étaient ses autres. Il a quoi? Disloyal. Ah bah super, merci. Il pense à sa gueule en premier. Un petit coup d'eau. Là par contre mes troupes elles devraient être soignées là, ouais. Mon armement est nickel. 3 jours de bouffe. Chaque fois qu'il y a un truc qui apparaît, j'ai les sueurs froides. Huit jours, ça va. Et la bouffe, 4 jours. Hein. Ah, 3. J'espère qu'il y a un contrat là aussi. Il va me dire, ouais, allez donc à Cochen machin, porter. Là, je dis non. Hein. Je dis, allez vous faire foutre. Il n'y a pas marqué la poste. Allez, on y va. On se dépêche un peu. Along the way, oui, alors là il nous explique si c'est ça. Oui, c'est ça. Il nous explique qu'au bout d'un moment, les différents chefs de faction risquent de nous embaucher, mais il faut faire gaffe parce qu'évidemment, s'ils sont en guerre contre une autre, et que contre une autre faction, et ben tout ce qui est marchand, tout ça, enfin tous ceux qui proposent des contrats de, qui vivent dans les villes de ces factions, ne nous fileront quasiment plus de contrats. On ne sera plus les bienvenus dans ces villes, et c'est quand même eux qui nous font vivre. La preuve. Je touche des thunes. Alors, encore un contrat. Katox the Larden comes along with a small boy racing at this side.
at his side, pardon. When they get to you, the pair talk at the same time. Stop and then start again. You hold your hand up and then point to the little boy who immediately say he did, that Valdemar of Stolvalen wishes to see you. You then point to the Battle Brothers. You say your local bitch has birthed puppies. Poopies and may beat the Mondus Bellicus Flying Circus could take one, pursing your lips. You tell the boy to take you to his master, who is found already waiting for you. You find Valdemar of Stolen reading a scroll. He throws the paper at you and asks you to read off the names. The handwriting is difficult, but not more so than the name themselves. You stop and apologies, stating you are not from this part. The man nods and takes the scroll back. Tis right, says Walls. If you were wondering, those were the name of men, women, and children who have passed in the last weekend. Last week, there were a lot of men on that list. The men seeming to read you, not some burly. Hi. We are in a bad way. So many lives lost. We believe this to be the work of full creature, best being of the ability of reason. Obviously, we did. You go find and destroy them. Non, ça non. Je veux pas. Ce sont des. Je vais pas les combattre contre des. Ah, là c'est intéressant, je prends. Je vais pas les combattre contre des. Des loups-garous, surtout pas. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'intéressant? J'ai combien de thunes là? 8 jours. Ouais. Bouffe, 3 jours. Moins 8. Quatre-vingt-quatorze, 107. Ok. Six jours. Allez, on prend comme ça. Hop. Ah merde. Tant pis. Je passe par là. Alors, toi, tu t'équipes de ça. Et tu as encore 99. C'est pas beau ça. Et toi, mon ami. Je vais quand même te mettre ça sur la tête, ça va te protéger un peu plus. On pourrait dégager ça peut-être, parce que t'as pas beaucoup de force. Voilà. Par contre, toi. Ça pourrait être intéressant de prendre ça peut-être. Yes. On va aller lui vendre ta petite tunique. Et ce couteau. 3 jours, c'est suffisant. Allez, on se casse. On va à Oeno. Je tiens pas à affronter des loups-garous tout de suite là. Enfin, des direwolves, je sais pas ce que c'est. D'ailleurs, tu peux me donner la traduction exacte. Ce serait bien, parce que je sais pas trop ce que c'est. Ils appellent ça des loups-garous, mais ça se trouve, ce ne sont même pas des loups-garous. Ah, un contrat. You enter a tavern and garner a few looks for your arrival. Men whisper to one another, the woman ogle. As they tend to do, the bartender fists a cloth into a mug, then calls you over. You are that mercenary people been wondering about, curious. You ask, oh, could he know, being that you aren't the only man walking around with a sword? He looks. The A's. That's where I can see it. You are a man who hunts the most dangerous sort of prey. A life of talking lives is a world in hand
out itself. Oula. And of itself. But you think how those would live have gained such odd values that their death would be but a momentary appreciation for others. A purchase is placed, so thus you become the means to a transaction. Is it so, isn't it? You are a bond collector, my friend, a grave digger paid in advance. You're not understanding. Suddenly, a man comes up to you and explains that a local figurehead by the name of Gernot of Oeno wish to have you here. When you turn back, the bartender is gone. Okay, Gernot de Oeno, of Oeno, got a few dogs at his feet. All tuckered out with their tongue lolling. They spend the past few days hunting for missing folk, folks that are seemingly disappearing to the gods nowhere. He lands down and pets one of the hound, scratching it behind the ear. Usually a dog will respond to that, but the poor thing barely even responds. The folk don't know what I know, took, which is that people aren't just disappearing. They are being taken. Horrible beasts are afoot. Oh putain, sell words. And I need you to go after them. Hell, maybe you've been find someone or two on the... Non, je vais pas y aller. Non, je veux pas. Putain, vous avez que ça comme contrat de merde. Allez, coach and fest. Ils ont que des contrats comme ça. Mais c'est pas possible. Pas de contrat. Ah, il y a un archer là par contre. Mais il est bien trop cher pour moi. Ok, c'est trop cher. On se casse. Combien il me reste de bouffe? 2 jours. Ça commence à puer. On va aller ici. Pas de contrat, putain. Ah, il y a un chenil. Ah, toi, tu pourrais être intéressant, mais j'ai rien pour t'armer, je pense. Non, j'ai rien. Alors, le chenil, c'est sympa. Ça vous permet d'acheter des chiens et ainsi de créer une meute. Et cette meute va donc vous aider au combat. Ça, c'est bien. Mais pour le moment, donc, j'ai pas l'argent. Donc, combien il me reste de 2 jours. On va aller vendre ça quand même. Et ça. Deux jours pour aller à Königwasser. Oh oui, on va pas les mettre. On va mettre bien moins que ça. Par contre, faut être vigilant parce que j'ai pas du tout envie de tomber sur des gobelins ou sur des bestioles comme ça. Donc toujours prêt à cliquer en sens inverse pour s'enfuir. D'ailleurs, regardez-moi ça, les Bandit Riders, ça. Donc quoi? A few Bandit Tugs, some Bandit Raiders. Ouais? Ouais? Non, on va aller en ville. Nous y voilà. C'est le soir. Vite, arrivons avant que la nuit ne tombe. Pas mal. Un contrat. You sit alone studying a map of as a stiff breeze tries to take off with it. As you struggle to keep the sheet of the on the table, Goldwinson the Godish, one of your men approaches and slams a mug on the paper corner. You look up to see he's a bit slack-jawed with drink on his breath.
He explained that he shared story with a local by the name of Frollo the Treasurer, who has a proposal for you. The maps and the lands, the details aren't going anywhere, so you agreed to meet with him and air him out. Frollo the Treasurer welcomes you, waving you in. Very well, now that you're here, would you please shut the door behind you? One of the men guard pokes his head around the corner. You smile as you slowly shut him out. Turning around, you find Frollo the treasurer, walking toward the window. He stares out as he talks. I need something. It's well done. You don't need to know what is it. I need this something delivered. Oh no, to the fellow Carlos Steiner of Saxdorf. He's waiting for, well, je suis obligé, for in Saxdorf. It's an important that it actually gets there. Important and look for an unarmed escort, which is why I am turning to you and your company. Let's talk about money. 240, c'est une blague. Je te demande de l'argent en plus et je te demande de plus ici. Bon, ben, j'accepte. Putain, que des contrats de merde. Grimald, plus 10 d'expérience. Ouais. Ça serait peut-être pas mal, ça ferait 200, et là j'ai combien de 6 jours. Allez, j'achète. Et j'achète, et je te prends. Alors, Grimald, voici le pyro vengeur qui nous rejoint. J'ai plus que 172 en thunes. Peut-être fait une connerie. J'ai plus qu'un seul jour de... Ah putain, j'ai fait une connerie. Alors, je crois que je fais une connerie là, mais bon, tant pis. Le pyro vengeur. Le pyro vengeur. Et toi, donner un surnom. Le cramoisi. T'es rouquin. Ok. Et il ne reste plus qu'une seule et on est et c'est le soir. Il faut que j'aille où à Sadox. Et je vais toucher 200. Oh là 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 là, ça va être chaud de chez chaud. Allez, on y va. Là, si on rencontre des bandits, on leur rentre dans la gueule. J'ai combien de bouffe? Plus de bouffe. Ça va être très chaud, ça. Si je pouvais retrouver les bandits, là, je leur prenne un peu de thunes et un peu de bouffe. On va rationner, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Undead. On y va. On les engage.
Ah, ils sont loin. Fait chier ça. Ok, avance. Allez, on avance. Jusqu'en ce moment, on en voit un. C'est là que ça se passe, ok. Allez. Bah viens par là, camarade. Ah, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Je crois que j'ai appuyé sur F comme un con. Du coup, il va pas bouger. Ok. Tu vas pas bouger, du coup, le fourreur. Pardon, pas le fourreur. Silette. Ah, et nous on arrive par le flanc. Ah, du coup, toi, voilà, maintenant tu vas pouvoir avancer, mais mal joué. Si tu viens là, est-ce que tu peux tirer? Ouais. Allez, colle. J'ai cru qu'elle touchait. Et toi? Et non. Par contre, si tu viens là. 64. Allez. Joli. Pas oublier que j'ai ses javelots à être pour lui. Toi, viens là. Viens là. Et ça saigne au milieu. Toi, viens par là. Protège-toi. Oh, il a morflé, lui.
Ah, on n'est plus que 17. Ok. Viens là. Quant à toi. Non. Lui. Lui. Ah, t'es... Je suis pas bon. Je suis pas bon, je suis pas bon, je suis pas bon. Viens voir par là, toi. Toi, viens donc par là. Même ici. Protège-toi. Viens là. Je peux rien faire, je peux rien faire. Je viens ici. Allez, à moi de frapper. Protège-toi. Toi, tu viens là. Voilà. Tant qu'il cogne sur les adversaires, c'est pas grave. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Est-ce que je peux y en mettre un coup? Non. Bon, reste là pour le moment. Peu trop dangereux. Viens là. Moi, je monte là. Et là, je tire. Raté, putain. Réarme. Recharge, pardon. Allez. Joli. Toi, t'avances là et tiens colline. Allez, Godwinson. Raté. Oh, regarde-les. Ah non, je crois que c'était un... Bon, toi, 72%, 57. Aïe. Je peux aller nulle part là. J'emmerde le monde plutôt qu'autre chose. Achève-le si tu peux. Dommage. Oh, lui, il mange, hein. Ouf. Il est bientôt mort, d'ailleurs, le vétéran milicien. Ah, il touche quand même, hein. Bien joué. Allez, Punky. Do the job. Again. Ah, putain, pas assez. Comme ça. Bouge pas. Ah, et du coup, tous ceux qui se font tuer, eux.
Il se transforme en mort-vivant. Palop. Ah, tu l'as raté. Viens là. Même ici. C'est pas celui-là. Ah oui! Allez, pute-le! Tu bouges plus. C'est pas bon ça. Bon, lui, on va essayer de faire la peau. Raté! Ah. Et en plus ils se replient. Et ils vont devenir des morts vivants. Ah, protège-toi. Je ne sais que faire avec toi. Viens par là. De toute façon, là, tu fais rien. Viens là, toi. Voilà. Ah putain, j'ai fait une erreur. Tu attends. Toi, tu viens là. C'est chaud là, là c'est chaud là, là c'est très chaud. Allez, fais le boulot. Encore. Arbalète. Lui. Raté. Oh là 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 là, ils vont tous revenir. Bien. 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 La même. Ça va être dangereux là. T'enfuis pas, tire-toi. Je sais pas si j'ai bien fait. Recule. Viens là. Collision une. Protège-toi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, démonte-le. Achève-le. À toi de jouer. À toi.
Allez. Yes. Ça arrive derrière, les gars! Oh, marre de rater. Achève-le. Il est armé, voilà. Allez, bute-le lui aussi. Attaque. Ah, il n'a pas réussi à s'enfuir, le pauvre. Là, on peut rien faire. Là non plus. Là non plus, on attend. On attend. On attend. Allez, pulvérise-le, merde. On attend là. Toi, tu avances ici. Et tu en colles une. Raté. Bien défendu, Diablotis. Dommage. Oui, allez, bute-le. 27, 26, 62. Yes! 59. Oh merde! Bute-le, putain! Allez, à toi maintenant. Celui-là. Tu te protèges. Peut rien faire. Viens là. Et ici. Et tu en colles une. Tu restes là. Une fourche, putain. Oh là 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 là, ils font chier. 59, 49, merde. Oh putain, 72, on le loupe. Rectifier. Soixante, 52. Allez. Il y a lui qui me fait peur là. Lui, il me fait vraiment peur. Tu attends pour le moment. Allez, essaye d'en coller une. Bien joué, gamin! Bien joué, Diablotis! Protège-toi. Viens là. Viens là. Punk-Brest, file ici, tu vas essayer de le dégager. Foiré. Tu attends.
52, 62. Putain. Achève-le. Yes. Merci, l'archer. C'est le dernier survivant d'ailleurs de chez eux. Non, pardon. 41, 56. Ah, ça a pris. Voilà. Allez, les gars! Allez, Silef! Vingt et un, 18. Raté, dommage. Allez, à toi de frapper. Bien joué. Allez, le suivant. Dommage. Allez, Punky. Do the job. Le fourreur, tu viens là. Ah merde. Et là, je peux pas. Si, lui. Voilà. Là, lui, il peut plus jouer. Il va bien avoir qui vont survivre. Qui vont revenir. Eh oui, un. Ça va, il va s'en occuper, lui. Allez, achève-moi ça, toi. Raté. Allez, à toi. Raté. Peut pas tirer, trop fatigué. Va par là. Bien joué. Bien là, toi. Cogne. Allez, Air Hans. La découpe. Ah merde. Ah oui, c'est bon. J'en colle une. Allez, Punky. Si tu pouvais l'achever, ce serait beau. Dommage. Allez. Encore un qui apparaît, putain. 49, 79, ça c'est fait. Ah, faudrait que je le sauve quand même parce qu'il s'est bien battu lui. Voilà. Je crois qu'il va se sauver même tout seul. Viens là, toi. Petit coup dans sa gueule. C'est assez fait. À la rescousse, les amis. Il a plus de. Bon, il a plus de. Je croyais que je l'avais transpercé. Allez, Punky. Ah non, c'est pas à toi de le tuer. Allez, Hans. Ouah, superbe. Mériterait presque un ralenti. On va essayer de t'aider, camarade. On arrive, on arrive. Tiens bon, tiens bon. Voilà, ça suffit. Bien!
On ramasse pas grand chose, hein, par contre. Surtout, on ramasse pas de bouffe. Bon, il y a des trucs à vendre. Ok. Hop là. Encore des undead? 16. Ouf. On va d'abord monter le niveau de notre camarade Galadas. Ça évidemment en premier. Tu en as besoin. Et enfin, on va te monter tac, tac et tac. Ensuite, Diablotis. On va te faire frapper fort, Diablotis. Je sens que t'en veux, toi. Hop. C'est bon. Alors, en stage, qu'est-ce que nous pourrions avoir? Moins 4. T'as 96. Allez. 82, 2, moins 2. Allez. On va quand même te protéger un tant soit peu. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Je m'équiperais bien avec les épées, mais on n'a pas beaucoup, beaucoup d'argent. Toi, d'ailleurs, je vais t'en prendre. Tu vas en prendre une. Moi, je vais en prendre une aussi. On revendra ça, tant pis. Ok. Allez, équipe-toi avec ça. On va toucher la thune d'abord. Ok, j'en avais besoin. Là, on va. Ah oui. Bon, d'abord allons en ville. On nous propose un contrat. 367, 3 jours. Faut que je prenne le contrat, j'ai pas le choix. Voyons ce que je peux vendre. Ça, je vais garder. Ouais. Ça, je vends. Ça, je vends, tant pis. Ça, je vends. Je vends, je vends. Il me faut de la bouffe. 42 jours. Combien de jours de paye? 4. 3 jours. 3 jours de bouffe. Ok. Allons voir le contrat maintenant. A drunken woman throws herself at you. She practically draws licentious horror into your hair. And you bet her off with a stick. One onlooker rush to your side, yanking the wench away. Begone, war! How many times must I tell you? The lady saunters off, clambering from one man to another like an animal between tree branches. Your rescuer of her is in. I am Alfred, a man of some import, Steinmart of Saxdorf, has been looking for you. Please follow me and I shall bring you to him. Steinmart of Saxdorf sells down into his chair, locked into himself, as he do it. Don't be alarmed, salesword, but they say ghosts are afoot. Yes, yes, the local peasant are poisoning my morning with constant talk of ghouls and goblins. They say that this supposed creature are turning the cemetery upside down, raiding the graves on to enlarge the army to some such nonsense. Obviously, pardon, it's just the work of some spade-wading men intent of rubbing wrath of chivalries. I've seen it before. He looks down at his hand, briefly shaking. Anyway, I can just let it rest because this peasant won't get off me back about it. So, to ease them, there's you. I need you to go to the cemetery, blah blah. Ouais, d'accord, ok. Alors, combien d'argent? 240 et 420. Je veux plus en avance. 300 et 300, je veux plus. Ok, j'accepte l'offre. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ici? Mec, un non, que dalle. Et en armes.
Ah, il y aurait peut-être ça d'intéressant. Allez, on prend. Allons voir l'équipe. Voilà, toi camarade, tu vas prendre ça. Ok. Eh bien écoutez, c'est là-dessus qu'on va se laisser pour cet épisode. C'était chaud au niveau de la thune et de la bouffe, mais là je me suis un petit peu refait. Et alors où c'est que ça se passe? Il faut que j'aille ici au Cemetery of the Restless. Et lui là, il est en train de se faire massacrer par 16 undead. Very many, very banger et some very banger. D'accord. Peut-être intéressant d'aller leur péter la gueule avant. Je ne sais pas. On verra ça la semaine prochaine. Eh bien écoutez, chers amis, je vous dis à tous et à tous. Wow, déjà 1 heure de partie, mon Dieu. Je vous dis à tous et à toutes à la semaine prochaine. Et puis à bientôt sur mondouspellicus.fr. Allez, ciao, ciao!